Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la bataille concernant la côte 304. Pour contextualiser cet événement, on se situe lors de la bataille de Verdun, qui pour rappel débute par une attaque des Allemands le 21 février 1916. Fortement ralentie sur la rive droite de la Meuse par les tirs puissants et précis de l'artillerie française depuis la rive gauche, les Allemands changent leur stratégie d'attaque. Les Allemands décident alors d'étendre leur offensive à l'ouest de Verdun afin de s'emparer des points les plus élevés tenus par les Français, dont la côte 304 qui se situe à Haine-en-Argonne, en Meuse. L'attaque des unités allemandes, commandées par le général von Kalwitz, commence alors le 8 avril 1916. Les Allemands parviennent à approcher la côte 304, mais la résistance énergétique des fantassins français, bien appuyés par leur artillerie, les empêche d'atteindre leur objectif. C'est la lutte la plus dure qui se soit déroulée sur la rive gauche de la Meuse. Des compagnies entières sont fauchées dans chaque camp. Les blessés sont laissés à l'abandon et les morts ne sont pas enterrés. Les tirs sont considérés plus violents que ceux qui auront lieu sur la Somme la même année. Et le 3 mai 1916, les Allemands déclenchent un énorme bombardement sur la côte 304 où plus de 70 batteries déversent leurs obus sur l'artillerie française posée sur cette crête. À 15h, les tirs augmentent encore en puissance. Toutes les tranchées sont nivelées, les hommes et le matériel pulvérisés et les ouvrages considérablement affaiblis. Les Français comptent de nouveau de très lourdes pertes. Contre toute attente, l'attaque d'infanterie des Allemands suspectée après un tel bombardement n'a pas lieu. Et le 4 mai, à 4h30 du matin, le pilonnage allemand reprend avec la même intensité que la veille. À tel point qu'à 15h, il devient insoutenable et les unités françaises sont complètement laminées. Les forces allemandes prennent alors pied sur le sommet de la côte 304 et installent leurs mitrailleuses. Le 5 mai, le colonel français Audan donne à 1h10 du matin l'ordre d'attaquer. Les tranchées de la pente nord-est de la côte 304 sont reprises une à une. Mais au moment de dévaler la pente descendante, un tir violent de mitrailleuses et d'artillerie légère accueille les Français. Le colonel est alors frappé d'une balle en pleine tête et les Français se replient et s'installent au sommet de la côte. Les Allemands contre-attaquent mais sont énergétiquement repoussés à coups de fusil et de mitrailleuses par la part des Français. Les Allemands reprennent l'initiative des combats le 7 mai. Ils déclenchent alors un violent bombardement. Les positions françaises sur la côte 304 sont alors complètement isolées et résistent avec un courage exemplaire. Certaines compagnies partent à la charge en chantant la Marseillaise, les cartouches des morts sont ramassées et les canons des fusils sont brûlants. Les hommes tirent comme des démons enivrés par le bruit et la poudre. L'ennemi ne passe pas. Et après une contre-attaque par l'aide de renforts français, les Allemands sont finalement repoussés. Le 8 mai, la côte est de nouveau attaquée par les Allemands et prise aux Français qui se trouvent complètement débordés. Il faudra encore 3 jours d'un corps à corps acharné avant que les Allemands ne l'enlèvent définitivement. Les combats de la côte 304 ne cesseront pas pendant toute la durée de la guerre dans ce secteur proche de Verdun. Il faudra encore attendre le 20 août 1917 pour reprendre la côte 304. En témoignage des affrontements qui ont lieu sur cette côte, le 17 juin 1934, un monument est élevé à la mémoire des unités ayant combattu dans ce secteur et inauguré par le maréchal Pétain. Le nom de ces unités est gravé sur le mémorial que l'on peut voir encore aujourd'hui. Voici la fin de la vidéo sur la côte 304. J'espère que vous aurez appris quelque chose sur une bataille ayant eu lieu autour de Verdun. Et si tu as aimé, lâche un j'aime et abonne-toi.